tous derrière et eux devant. Eux, ce sont respectivement le Timopt, EDTF A et Shelv A. Les deux premiers se livrent une lutte sans merci, tandis que l'équipe de Shell reste en embuscade. À l'aéroport de Faa'a, Shell entame sa remontée, d'abord au détriment de EDTF A. Cette étape, les Chiliens la voulaient en souvenir de leur camarade Vaiani, parti trop tôt. On n'a pas vraiment pris un bon départ. On a laissé quelques plumes là, on est remonté sur EDT d'abord, après OPT. L'union aujourd'hui qui a pris le dessus, et voilà, c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui. Voilà, c'est une étape aussi qu'on voulait gagner, parce que notre copain Vaiani aussi qui est décédé dans la semaine. Voilà, on voulait vraiment la gagner celle-là, et voilà, c'est pour lui celle-là et pour sa famille quoi. Malgré les multiples tentatives des protégés de Riquelme, le Timopt luttera jusqu'au bout. À Tehoro Mataya, la hiérarchie ne sera pas bousculée, mais les postiers réalisent la bonne opération en ne concédant que 10 secondes aux Chiliens. C'était mieux posé que nous. Hein. Nous, on était plus dans le high. Quoi. Eux, quand je regardais, ils étaient plus posés. Bon, on a essayé aussi de revenir dessus, mais on a perdu plusieurs plumes vers Mara. Quoi. Essayer de chasser la première place, de s'écarter quoi, pour pouvoir mieux récupérer. Mais en fait, chez lui, ils sont forts, ils sont bien revenus. Quoi. Rendez-vous est pris donc pour la deuxième étape demain entre Mataya et Tautira.